Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle série. Vous avez été nombreux à me demander, Ben, quand est-ce que tu recommences le bûcheron de l'Estrême? J'ai trouvé une meilleure solution. Je vais faire la ferme, le fermier bûcheron. C'est simple, il y aura un épisode agriculture, un épisode bûcheron, un épisode agriculture, un épisode bûcheron. Et tout ça sans cheat, sans tricher. Donc on est sur la map Alpental, hein. Franchement c'est la map idéale. Parce qu'il y a un petit peu d'agriculture et beaucoup de forêt. Donc c'est vraiment le truc parfait pour vous. Et même pour moi. Donc je vais commencer, on va commencer aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui on va faire de l'agriculture, je suis désolé les amis. Je vais faire un petit emprunt à la banque, déjà. On va faire un petit emprunt à la banque. Parce que niveau matos, c'est pas trop ça. Tac, donc j'ai 150 000. Donc on va commencer à acheter du matos. On va voir un petit peu le matos forestier. C'est pas ça que je voulais. Matos forestier, on va voir combien ça coûte. Ça coûte un peu cher tout ça. Ça coûte un peu beaucoup cher, hein. Donc on va commencer. L'idéal c'est vraiment de commencer par ça. Tac. On va l'acheter. On va l'acheter en orange. L'entreprise orange, comme vous savez, hein, j'aime bien. TP simulation. Il me reste 103 000 euros. Avec 103 000 euros. Parce qu'il me faut un petit peu de tout. Hein. J'ai pris un petit peu tous mes mods. Là-dessus. 90 000 euros. Et on peut commencer déjà par ça. Avec ça. En orange. Voilà. Déjà, on va acheter un petit peu de trucs forestiers. Après, les camions, bah, ça coûte un peu cher hein, pour le moment. Donc, hop, l'arracheuse à patates. Ouais. Ouais. J'ai un petit peu beaucoup de machines. Ça, on verra plus tard. Donc, aujourd'hui, on va se faire. On va aller voir ce qu'il y a à faire. On va faire un petit tour, vite fait. Il me reste que 10 000 euros. Tac. On allume le tracteur. Hop. Voilà. Et c'est parti. On va voir ce qu'il y a à faire. Pour le moment, je peux pas moissonner. Donc il y a des rangées de ballots à faire. Bah, on va commencer par ça. Je vois qu'il y a deux petites traces là, trois rangées. On va commencer par ça. Ensuite, on verra ce qu'il y a à faire. Je vous dis, hein, je découvre la map. Enfin, j'ai un petit peu regardé la map un petit peu avant pour voir si ça me plaisait ou pas. Et la map me plaît beaucoup. Je la trouve assez bien rangée. Ensuite, on ira faire de l'herbe. On ira faire de l'herbe. Hop, c'est parti. Mon kiki. L'IRC, je les prends pas souvent. Ça fait drôle de recommencer avec les modes de base. Sinon, on verra à la fin de l'épisode si je peux le revendre. Hop, parfait ça. On va récupérer tout ça. Et vous verrez avec la grosse surprise niveau bûcheron. Le fermier bûcheron, ça va être simple. Je vais faire un titre tout simple. Mais très complet, vous aurez deux en un. Là, c'est vraiment un truc deux en un que vous allez avoir. C'est un rassemblement de ma carrière bûcheron de l'extrême et la carrière normale sans triche. C'est un rassemblement. Désolé, je suis avec mon café. Et oui, je rebois du café. Hop, d'ailleurs, ça tire pas du tout, ça a du mal à tirer. Hein. Punaise. Tac. C'est vraiment cool. J'ai trouvé, je trouve que c'est vraiment cool la série. Je vais beaucoup l'aimer moi déjà, moi-même, et je pense que vous allez beaucoup l'aimer aussi. Enfin, j'espère. Hein. Moi, j'essaie de faire absolument tout ce que vous voulez, enfin tout ce que vous demandez, et qui vous plaît. Donc, j'essaie de le faire au maximum avec mon temps libre. Ces derniers temps, je vous l'avoue, ces derniers mois, j'ai pas. Ouais, j'arrive plus trop à tourner en multi avec la team, j'ai pas trop le temps. C'est ça qui est dommage.
pendant une période de ma vie, j'avais le temps de tourner tous les soirs à 21h, une tournée. Je postais tous les jours une vidéo. Et là, je fais beaucoup de présentations de mode, je vous avoue. Bon, on n'aura même pas rempli. On n'aura même pas rempli un. Enfin, mis un ballot. Rempli un ballot. On n'a même pas une moissonneuse-batteuse, les amis. Je regarde s'il n'y a pas une vieille, un vieux truc. Eh non, j'ai pas la vieille. C'est moi, je l'aurais prise la vieille, j'aurais fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Tac. Quand même, mon tracteur, j'aimerais bien en racheter un. Je préfère revendre les Ursus, là, les Ursus et tout. Ça me rapporte un peu plus d'argent. Et avoir un tracteur de compétition. 34 000, oui, à 34 000, je peux avoir un CAS 195 chevaux. Je peux avoir un Fiat Agri. Je peux avoir celui-là. Ça, voilà. Voilà, à 20 000 aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revendre ce tracteur. Je sais pas combien je vais le revendre, mais. Hop. Voilà. Maintenant, lui, on va le revendre. Garage. Ursus. Vendre. Voilà, parfait. Comme ça, je m'achète. Mince alors. Comme ça, je m'achète. Je m'achète directement le Jundair. Y a pas. 125 chevaux et lui, 380. Il y a pas photo, les amis. Hein. Steyr forêt aussi. Il y a celui-là aussi. Ouais, mais là, il n'y a pas photo. Je prends celui-ci. Pour avoir au moins un tracteur puissant pour tirer un peu. Tac. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Il a été refait par. C'est Vassili, hein, Vassili Massin, là. Vassili, c'est le chef, là, qui a fait ça. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il a comme. Bon, il fait rien du tout, tout simplement. Il fait rien du tout. Voilà, comme ça. Au moins, c'est clair et net. Mais au moins, il a du chevaux sous le capot. Par où il a sorti? Ah, c'est bizarre les vitres là, c'est. Ah, j'aime pas beaucoup la vitre. Moi, je trouve qu'il fait des modes pas terribles au final. Le 1050, je suis extrêmement déçu. J'étais extrêmement déçu du 1050. Il nous reste 21 000. Avec 21 000, qu'est-ce qu'on peut acheter? Je suis désolé, les amis, je suis. Ah, 20 000, on peut acheter un international. On va l'acheter. C'est par là. Ah oui, mais je peux pas faucher au milieu. Ah. Je peux pas prendre la faucheuse. Mais au moins, j'aurai un gros tracteur qui pourra tirer tranquille. Il me reste 1251 euros. On va aller loin avec ça. Moi, je vous le dis. Au moins, j'ai un gros tracteur. Bah, je pense, hein, on va commencer le bûcheron plutôt aujourd'hui parce que là, je ne sais pas quoi faire à part de l'herbe. Là, j'ai plus galéré donc. On va commencer le mode bûcheron. On va aller couper quelques armes. Je regarde si je peux m'acheter une tronçonneuse. Voilà, là il va me rester. Il va plus rien me rester. Hop. Voilà. Ça, c'est un super tracteur, je trouve. Pour le moment, on va pas l'utiliser.
Ce qu'on va faire, on va faire un petit chargement. Hop. On va faire un petit chargement. Tac. C'est du freestyle hein, chez moi, c'est pas là, c'est. Je sais ce que je vais faire dans la tête, mais après. Parfait ça. Direction la forêt. La forêt. La 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 la. Il y a des petits lags. Hop. On va tourner sévère, voilà. Direction la forêt. Pour aujourd'hui, on va faire en mode bûcheron. Histoire de faire un petit peu d'argent. On va se faire un petit chargement. Bon, j'ai 11 minutes de retard par rapport au programme, mais c'est pas grave. Hop. Je peux vous dire que la forêt, je vais aller la kiffer. Je sais plus où elle est d'ailleurs, si elle est là, champ 3. Champ 3. Je peux passer par là, il me semble. Voilà. Là, on se dirige vers la forêt. Je veux dire que vous allez kiffer, kiffer, check, kiffer. Voilà, il y a des trous boueux ici, c'est impressionnant, regardez comment je m'enfonce. C'est génial. Regardez, regardez-moi ça. Oh, carrément bloqué. Non. Attendez. Différentiel. Oh, je suis carrément bloqué dans. Regardez. Le merlot bûcheron. Hop, j'ai mis le différentiel parce que sinon ça n'allait pas passer. On va commencer. Oh, il y a un petit 4x4 là. On va commencer un peu plus loin. Là pareil, on s'enfonce. Là il y a un petit hibou. On va faire toute une zone. Hop. Ça va être dur de passer avec le camion, ça. Sprinter, sprinter. Ah, je me verrais bien commencer là quand même. Ah, mais c'est un peu pontu là. Il faut vraiment que les. Faut aller avec les ponces. On va commencer là. La petite zone là. Impeccable. Voilà. On va commencer ici. On va l'éteindre. Lui, on va le démarrer. Hop. L'intérieur. Ah, il est pas mal l'intérieur. C'est pas trop Mercedes, mais bon. Déployer le stabilisateur, ah, d'accord. Je suis pas très riche, mais j'ai déjà ça, un camion d'occasion. C'est déjà pas mal. Waouh! Il fait peur le klaxon! Mettre les gyros. Il roule à 76 km/h quand même. Hop! Vieux frein, toi. Je sais même pas s'il va passer dans. On va lui mettre les différentiels. Mince.
pas les mettre. C'est ouf, il n'y a pas de différentiel celui-là. Bon bah il va se débrouiller hein. Il passera. Normalement si hein. Il passera à fond. Voilà. Voilà, il est passé sans problème. Hop. Oh, il passe à l'aise, lui. À l'aise, Blaise, m'as-tu dit? Hop. Je vais faire la petite photo. Je sais plus si c'est F12. F12, je sais plus, c'est pas grave. Donc là pour le moment on va les couper de l'arbre. Salut. Tac. C'est parti, le retour du bûcheron. Hop, tourne pas, c'est bon. Vacille un peu. On va les brancher. Voilà. Par contre, pour le retrouver, j'en ai acheté deux. Ah, j'en avais déjà une de base, d'accord. Tac. Il est coupé, le petit. On va le choper, ça va être mieux pour le couper en morceaux. Pour le débiter, hop. Elle est bien cette petite pince. Vous voyez, j'ai pas encore tout fait. Ah quoi, qu'il peut peut-être couler entièrement dans le camion. Faudrait tester. Voilà. On va juste lui couper la tige là. Waouh. Voilà. Je vais voir si ça coule tout le long. On le débitera. Ah, il y a encore du. Y a encore des branches. Voilà. Tac. Ah, bah non, ça marche pas. T'as beau le faire. Elle va pas s'enlever la branche. C'est largement trop grand. Tac. Ouais, je suis à la souris, donc c'est pas évident. Et je vais essayer quand même de débrancher parce que c'est chiant ça. Bah voilà, nickel. Bon, allez, on coupe un deuxième. Pourquoi il est pas plus bas? Ah si, c'est bon. Tac. Hop.
On a eu de rester des branches encore. Apparemment non. Tac. Hop là. Et disons, il y a du boulot hein, pour cette forêt là. Pour la ravager. Il y a du boulot. Hop, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bois les amis, très très longtemps, ça remonte à des mois, ça remonte au mois de janvier il me semble. Hop, quand j'ai changé de PC. Waouh. Tac. Pas évident de charger là-dessus. Pas évident du tout. On va essayer. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper là. Pas que ça dépasse. Voilà, les deux petits bouts, on va les mettre dedans. Peut-être pas. Non, on va laisser ça comme ça. Waouh, il va s'arrêter là je pense. Voilà, stoppé par l'autre arbre. Toc. On va refaire un tour. Waouh. Voilà, parfait. Le petit merlot il sert vachement, il est super cool. Je sais très bien que vous êtes nombreux à me demander, mais c'est quoi le lien du mode? C'est quoi ça? Hop. Waouh. Bon, j'essaie de le retrouver pour vous, mais... Waouh. Pourquoi j'arrive pas à le prendre là? Pas possible. Hop. Tac. Pendant un moment j'étais vraiment l'expert du bois. Bon, je retrouve un petit peu la main donc c'est cool, mais avant j'étais à la manette. Ah, je suis tombé sur la seule souche qui reste. Ah, je suis en train de taper dans l'autre arme. Hop. Tac. On a vu, je vais taper dans l'arbre là. Non? Oui. Ouais, voilà, exact. Donc on va le couper. On va le débiter. Hop. Voilà. Faut pas nous embêter. Trop longtemps non plus. Celui-là il est grand. Oh, celui-là il est grand. On va faire une manœuvre spéciale pour celui-là. Allez bah, ça passe toujours pas. On va se redécaler. Hop. Comme par hasard, je tombe sur le truc. Voilà. Voilà.
penche. Hop, ma petite astuce. À la The Spirit Ben, c'est de faire ça. Bien mis à plat celui-là, mais bon, c'est pas grave. On va essayer d'aller déjà aller vendre ça, les amis. Hop, on va essayer d'aller vendre ça. Oh, ça bouge. Il n'y a pas un système de commande. Non, c'est ça tient vraiment. À l'arrache, c'est pour ça que là ça va pas le faire. Hop. Mince alors, je suis pas encore dedans. Voilà. Waouh. Voilà ce que je voulais faire, comme ça après je les repousse, je les tasse au fond. Et comme ça ils vont pas bouger. Enfin j'espère pas. Voilà, il est poussé au fond celui-là, nickel. Hop, on va aller vendre ça pour voir. On va rouler doucement. Pas que ça glisse non plus. Ça a l'air de tenir, hein. Ça a l'air même de bien tenir. Ouais, faut pas rouler comme un malade non plus. Est-ce que les rétroviseurs sont fonctionnels? Ah, en plus, les rétroviseurs sont fonctionnels. Donc on peut voir le bois bouger. C'est parfait tout cela. Hop là. On va aller vendre ça. Tic tac. Pas tic tac, hein. Comme d'habitude, hein, je vous fais la même blague. Je vous répète mes blagues. Il me semble qu'il faut que j'aille tout là-haut. Ouh. Pas trop que je tourne non plus. Voilà, regardez le bois comment il bouge. Il serait bien tassé, encore deux petites grumes, mais ça aurait été nickel.
Il cuisse à grimper, il cuisse. Là, je pense que je vais. J'espère que ça va pas glisser. Oh, il a du mal à grimper. Bon, je surveille les bois là-dedans. Ils ont mis la Grimstar, mais la Grimstar, il marche pas du tout. Et c'est ici qu'il faut tourner. Non, c'est après. C'est ici. Salut le chien. Ah, il bouge le chien. Bien fait ça. Le chien bouge. Tac. Le petit hibou. Coucou. 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 Où vendre ça? Maintenant. Ça là, c'est autre chose. Je pense que c'est là. Voilà. Excellent. Et après, on récupère des planches de bois, c'est ça. Je sais pas si ça fonctionne, faut aller faire un truc ou. Faut les mettre en route ou. Mettre plus de bois peut-être. Ah, faut mettre du fuel, d'accord. Du produit copeaux de bois. D'accord. Faut mettre tout ça pour que ça fonctionne. Des logs. Donc c'est ça. Du fuel. D'accord, excellent. Donc maintenant je saurai pour la prochaine fois, faut faire tout ça. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le premier épisode et la prochaine fois vous verrez un peu plus. Donc aimez, partagez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao. Hi-ha!